Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur votre tirage donc pour la semaine prochaine, semaine du 7 au 13 novembre. Alors on démarre tout de suite avec une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les messages pour les Capricornes, s'il vous plaît? Hop, la voici. Donc ici on a eu élargissez votre spectre. Donc je vais vous la lire celle-ci, on va prendre le temps. Hop. Quel est le message de cette carte? On vous dit, gardez votre esprit ouvert et attentif afin de nourrir votre spontanéité et votre curiosité. Osez sortir des sentiers battus et expérimenter ce qui vous est encore inconnu. Votre âme souhaite que vous soyez curieuse ou curieux afin de vous permettre d'élargir votre spectre d'opportunités. Lorsque vous développez la curiosité dans votre quotidien, vous nourrissez votre cœur d'enfant. Celui-ci a une soif d'apprendre et d'expérimenter la vie de façon plus entière. Oui, en fait, on vous dit, ne vous fermez pas. Évidemment que si vous voulez que les choses changent, qu'il se passe des choses spéciales dans votre vie, des choses que vous n'avez encore jamais expérimentées, qu'il arrive des opportunités nouvelles, c'est évident qu'il faut faire de nouvelles choses aussi. Rencontrer de nouvelles personnes, peut-être dans des sphères sociales où vous n'alliez pas avant, rencontrer d'autres personnes qui s'intéressent à d'autres choses, aller dans des nouveaux lieux. Enfin, vous voyez, il faut changer la routine. Il faut changer le train-train pour qu'il se passe des choses intéressantes. Allez, on continue avec l'oracle des chakras. Quels sont les messages pour les Capricornes? Insécurité. Ok, donc ici, c'est le chakra racine qui est sorti, couleur rouge. Donc vous pouvez porter des pierres et des cristaux de couleur rouge. Manger des aliments naturels, bien sûr, de couleur rouge. Porter cette couleur sur vous pour réaligner le chakra. La vibration de la couleur est déjà une énergie de guérison, hein, sachez-le. Vous pouvez vous faire toutes les activités qui vous font vous sentir ancré. Et bien sûr, là, de quoi on nous parle d'insécurité dans le sens où on se sent. Ça peut être des peurs, des sensations de manque, ça peut être dans la vie affective comme matérielle. Et comment changer ce point de vue là-dessus? Il faut vous souvenir que la sécurité ne se trouve pas à l'extérieur. Elle est à l'intérieur de vous et c'est vous qui devez la cultiver. Vous ne la trouverez pas dans les bras d'un homme, vous ne la trouverez pas dans l'argent, non, parce que vous pouvez expérimenter, hein, vous pouvez essayer et avoir tout ça, mais malgré tout, le sentiment d'insécurité restera. Pourquoi? Parce que c'est en vous. Quelque chose l'a provoqué bien avant. Comment régler ça? Eh bien, avoir confiance en vous, en vos capacités, savoir que quoi qu'il arrive, vous vous en sortirez toujours parce que vous êtes soutenu. Dans l'invisible, dans la vie, vous êtes soutenu par l'univers et vous avez largement les capacités de surmonter tout ce qui se présente à vous. C'est un peu une question d'être dans l'acceptation de ce qui est. Allez, on va continuer avec un message de l'oracle mission de vie. Quels sont les messages pour les Capricornes, s'il vous plaît? Ouf, alors, on en a eu deux ici. Donc la première, on a eu la phase d'apprentissage. On vous dit, l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Et la deuxième, on vous dit, fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi, ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Oui, n'oubliez pas qu'il faut demander, parce que le libre arbitre est respecté. Donc, si vous ne demandez pas, ils n'interviennent pas parce qu'ils respectent vos choix, tout simplement. C'est de l'amour, hein. Allez, on continue avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les Capricornes, s'il vous plaît? L'enfant intérieur. Ok, donc ici, il y a quelque chose à travailler avec votre inconscient, votre enfant intérieur. Peut-être que simplement, vous devez apprendre à prendre soin de vous pour le rassurer. C'est-à-dire, si vous aviez un enfant, vous lui donneriez tout le meilleur. Vous vous occuperiez de lui chaque jour. Eh bien, il faut le faire pour vous.
comme vous traiteriez un enfant, un petit enfant, bah faites ça pour vous. Allez, on continue avec un message du petit oracle des âmes amoureuses. Quels sont les messages pour les Capricornes? Oula, doucement. Capricorne pour la semaine prochaine. Ok. Alors ici, on a trois messages. Donc ça peut être des messages dans les relations amoureuses, mais aussi familiales, amicales, etc. Donc voyez à qui ça vous fait penser quand vous l'entendez en fait. Hein. Donc là, il y a une personne qui vous dit « j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. » Donc voilà, une personne s'en veut par rapport à vous. Elle aimerait que les choses se soient passées autrement. La deuxième, on a « je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour, pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. » Et enfin la dernière, « crois en moi, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. » Voilà les messages au niveau sentimental. On va regarder l'énergie générale de votre semaine avec le tarot mantique. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Alors, l'amoureux, oui. Bon, c'est peut-être le thème de la semaine, là. Il y a peut-être une indécision devant un choix au niveau sentimental ou une épreuve. Ou une sensation d'attente, d'échec peut-être dans une relation par rapport à quelqu'un. On nous dit qu'il y a peut-être un risque de décision irréfléchie, alors attention, ou des tentations dangereuses ou imprudentes ici. On a également l'as de denier qui nous parle par contre d'un succès dans le domaine matériel et financier, une réussite dans les entreprises ou les affaires, de la prospérité, de la sécurité matérielle, de la satisfaction. Ok, alors on va continuer avec le tarot histoire de sorcière. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Donc on a la reine de coupe, la grande prêtresse et le 7 de pentacle. Donc ici, on a une énergie très très féminine et intuitive. Beaucoup de clairvoyance, je dirais, là, cette semaine. Alors, avec la grande prêtresse, ouais, je pense qu'on nous parle de voir clair peut-être dans une situation. Avec le 7 de pentacle, eh bien, on nous parle d'un début de récolte au niveau matériel, financier. Un début de réussite. Ce n'est pas encore la réussite complète, mais il y a un début de résultat. La reine de coupe, on pourrait nous parler d'une femme enceinte. On pourrait également nous parler d'une femme avec une énergie très intuitive, très affectueuse, très altruiste, douce. Alors, on va continuer un peu avec l'oracle des miroirs. Ouais, ça c'est plutôt peut-être vous en tant que consultante par rapport à un homme, ou si c'est vous cet homme, il y a une femme qui vous est très dévouée, qui vous aime vraiment ici. On a le compromis, la négociation, la réconciliation peut-être aussi. Le carrefour, ok. Il y a peut-être aussi un début de relation hein, entre un homme et une femme ici, ou la naissance d'un enfant également, qu'on peut annoncer, ou un début de grossesse. On a le compromis par rapport à la jalousie, très bien. Alors ici, on a vu, c'est peut-être une personne pas disponible, donc la jalousie, ça peut venir de vous par rapport à cette personne, je ne sais pas, qui est déjà avec quelqu'un, hein, peut-être. Hein. Et par rapport à ça, il faut se mettre d'accord. On ne sait pas pour tous les cas, mais voilà. On a une nouvelle opportunité, une nouvelle décision, une nouvelle direction qui est prise dans la vie matérielle et financière pour un nouveau projet ou aussi par rapport à des enfants, à vos enfants.
Sur la naissance, nous avons le travail, ok. Ça peut être aussi un début de relation qui commence sur un lieu de travail également. Ça peut être aussi tout simplement un nouveau travail. Là, j'ajoute le compromis, l'hérédité. Donc ici, on a peut-être aussi de la jalousie dans la famille par rapport à vous. Peut-être on doit se mettre d'accord avec quelqu'un qui est jaloux ou jalouse, là ici. Sur les enfants, nous avons la sexualité. Ok, donc peut-être aussi le désir d'avoir un enfant pour certaines personnes. Ça peut être aussi le début d'un nouveau flirt, une aventure. Alors, on va continuer avec les rêves enchantés de Lenormand. Sur le travail, on a encore l'homme. Ok. Alors, on peut avoir aussi une proposition hein, d'un homme sur son lieu de travail ici. Déclaration d'amour, etc. Sur l'hérédité, nous retrouvons l'arbre généalogique. Donc ici, ça nous parle bien de votre famille avec qui il va falloir faire un compromis, se réconcilier ou négocier quelque chose ici. Et ici, nous avons la loupe. Donc ici, quelque chose à étudier, quelque chose où il va falloir regarder de plus près, surveiller aussi peut-être, parce que ça peut nous parler d'une éventuelle infidélité, hein, d'un mensonge par rapport à quelque chose comme ça, où il faut regarder de plus près. Quelqu'un qui pourrait vous faire des fausses promesses également, vous voyez, simplement pour profiter de vous. Alors on va continuer avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Ouais, ici on a des nouvelles qui peuvent vous contrarier ou vous mettre en colère. Ça peut être une naissance, mais qui ne causera pas forcément une bonne surprise. Ça peut être quelqu'un qui, un amoureux ou une amoureuse qui, finalement, boude dans son coin. Ça peut être une dispute avec des personnes de la famille ici. On a hein, l'hérédité. Des sorties d'argent imprévues ou la colère aussi provoquée par une autre femme. Il y a de la jalousie, donc ça peut être ça. Au sujet aussi également d'un militaire ou d'une personne de votre famille qui habite très loin. Une déception ou une contrariété au travail ici, hein. Bon, en tout cas, il y a peut-être une discussion, un obstacle, quelque chose qui va vous contrarier. Alors ici, c'est par rapport à un homme au travail, hein. Alors, on continue. On a des inquiétudes, peut-être du chagrin, un chagrin d'amour, mais on vous dit que vous allez en guérir facilement. Une rupture qui peut être suivie de réconciliation, un conflit familial qui va s'apaiser également. Une déception pour un héritage ici. Des difficultés momentanées. Bon, il y a quelque chose qui va vous contrarier, mais vous allez en gros vite le surmonter et vous consoler rapidement. Ouais, on n'a pas de bonnes nouvelles cette semaine, hein. Décidément, j'ai deux fois les mauvaises nouvelles, la contrariété, la colère. Il y a de la déception là, ici, sentimentale ou familiale, hein. Ouais, il y a des obstacles dans une situation, il y a peut-être une trahison aussi dont vous allez être averti, qui va vraiment pas vous faire plaisir, hein. Il y a une difficulté en général, quelque chose qui va vous contrarier ouais, assez fortement. Bon, eh bien voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation, vous avez mon mail, le lien de mon site internet dans le descriptif. N'hésitez pas à le consulter pour voir les différentes prestations que je propose. Je vous remercie pour le visionnage et je vous souhaite une bonne semaine.